Bonjour à tous et merci d'avoir rejoint ce webinaire qui aura pour thématique aujourd'hui le Big Data. Comment passer d'une infrastructure orientée data vers une infrastructure orientée vers ce qu'on va appeler désormais le Big Data. Je m'appelle Thomas Lecomte, je suis responsable de l'équipe avant-vente et j'appartiens donc à la société qui s'appelle MTI. Si jamais vous ne la connaissez pas, en quelques mots, nous sommes intégrateurs d'infrastructures autour de la donnée depuis 1987. On est présent en France, en Allemagne et en Angleterre. Et toutes les solutions et les offres que nous portons auprès de nos clients sont orientées autour du stockage de la donnée, de la sauvegarde de la donnée, de la protection de la donnée, de l'archivage, ainsi que des environnements cloud. Alors, le Big Data, pour débuter, de quoi parle-t-on ? Premièrement, point important, le Big Data aujourd'hui s'appelle le méga-donnée, c'est-à-dire que la Commission Générale de Terminologie et Néologie en France a enfin donné un nom français, une terminologie française, pour ce terme anglais Big Data. Ça ne date que de l'été dernier, entre guillemets, il était temps, on était tout de même arrivé en 2015 alors que le terme Big Data occupe l'espace des médias depuis la fin des années 2000. Si on est raisonnable, on va dire 2010. Voilà, désormais, on peut parler en France de mégadonnées. Bon, mis à part ce petit détail, de quoi parle-t-on quand on parle de Big Data ? C'est quelque chose qui est assez communément admis. On parle des 3 V, voire des 4 ou des 5 V. C'est-à-dire que l'on va définir un cluster de Big Data en fonction d'une quantité de données. Pour qu'on parle de Big Data, il va falloir un volume important de data. Mais il va falloir surtout avoir une quantité de données injectées très fréquemment dans le cluster, rafraîchies très fréquemment. Ce n'est pas uniquement de la donnée qui est statique. Si vous avez, par exemple, beaucoup d'informations dans les archives de votre entreprise, elles ne constituent pas pour autant un cluster de Big Data. Elles vont pouvoir être utilisées, en effet, pour alimenter votre cluster de Big Data, parce que dans vos archives, on va retrouver beaucoup d'informations à forte valeur ajoutée. Ensuite, on va parler, pour le troisième V, de variété. Variété, c'est les différentes sources d'informations qui vont permettre d'alimenter ce cluster. Aujourd'hui, les sources d'informations tournent autour des applications métiers, des informations que l'on peut retrouver dans les ERP, les CRM, les outils qui vont gérer les usines de production. Si on est juste autour de ces données-là, on ne peut pas véritablement parler de Big Data parce qu'on a uniquement des informations très traditionnelles dans ce cluster dont le volume n'est pas forcément très important et dont la vélocité ou la vitesse de changement des données ne va pas forcément être si colossal. En tout cas, il n'y a pas de changement brusque dans cette vitesse. On reste sur quelque chose de connu et de maîtrisé. Là, quand on parle de variété, on va parler de nouvelles sources d'informations qui sont génératrices de valeur. On va parler bien sûr des réseaux sociaux. On va parler bien évidemment des objets connectés. Mais on va parler aussi de toutes ces applications qui tournent sur nos smartphones et qui peuvent renvoyer des informations précieuse pour une entreprise afin de mieux connaître ses clients. Ensuite, cette donnée, on va la valoriser. Et c'est là un petit peu que va se différencier encore le data et la big data. C'est-à-dire que dans le big data, on va conserver des données dans un but qui est de gagner de l'argent, d'économiser de l'argent, de faire plus de ventes grâce à ces données. Donc on peut les valoriser. Ça ne veut pas dire qu'on ne va conserver que les données à forte valeur ajoutée ou que les données que l'on a déjà identifiées comme apportant de la valeur. Bien au contraire, on le verra tout à l'heure. Enfin, pour terminer, c'est la véracité des données. C'est-à-dire que les informations que l'on enregistre, elles sont vraies, on sait qu'elles sont vraies pour un instant donné en provenance d'une source. Et aujourd'hui, on peut parfois avoir quelques surprises au travers des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter,
avec de nombreuses fausses informations ou désinformations dont il faut se méfier. Alors, d'où vient cette approche du big data ou du méga données? Pense que vous le savez déjà, elle vient de Google et de Yahoo principalement, ainsi que Apache, qui ont créé en 2003 un nouveau file system qui avait pour but de référencer, de cartographier l'intégralité du web pour en améliorer derrière les recherches. Donc c'est ce qu'ont fait Google et Yahoo au début des années 2000, construire ce moteur de recherche avec l'apparition de MapReduce qui avait ce job, enfin ce rôle d'indexation, de référencement de toutes les données, puis de concaténation des données pour enfin être utilisé par un moteur de recherche sorti l'année suivante, en 2005, qui deviendra Hadoop dans le futur, qui à l'époque en 2005 s'appelait Notch Search Engine. Aujourd'hui, ce sont bien les entreprises qui cherchent à s'approprier les bénéfices de ce type d'application. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que les entreprises peuvent retirer d'une application qui a été conçue par des fournisseurs de moteurs de recherche? Eh bien, un, mieux connaître ses clients pour améliorer ses ventes. Une meilleure des connaissances de ses clients en analysant toutes les informations à disposition au sein de l'entreprise, mais toutes celles aussi qui peuvent être récupérées sur les réseaux sociaux ou par le biais des applications. Tout ça va permettre de mieux vendre au bon prix, au meilleur moment, à chacun de ses clients ou de ses prospects. Le deuxième bénéfice recherché par les entreprises, c'est la réduction des coûts. Comment est-ce que je fais pour améliorer mon efficacité, améliorer ma production, améliorer peut-être aussi mon SAV? Eh bien, pour ça, la première étape, c'est de bien se connaître soi-même, donc de bien connaître les process de son entreprise, pour savoir lesquels sont les plus coûteux, et quelles sont les origines de ces coûts. Tout ça, en fait, toutes ces informations peuvent être enregistrées dans des données que le cluster de Big Data derrière va pouvoir analyser, cartographier et pouvoir vous remonter par la suite, soit des éléments de tendance, soit de manière temps réel, vous remonter des informations pour vous dire attention, alerte, j'ai une machine qui montre des signes de défaillance et il est nécessaire de prévoir une opération de maintenance dessus. Et là, on est sur la minimisation, pardon, des risques, qui va d'une part permettre de minimiser les risques opérationnels, notamment faire ce que je décrivais à l'instant, un peu plus de maintenance proactive sur son système de production. La maintenance proactive étant, si elle est bien ciblée, nettement moins coûteuse et nettement moins pénalisante pour l'entreprise qu'une action réactive ou qu'une maintenance réactive, puisque cette maintenance réactive, eh bien, elle perturbe le fonctionnement normal de l'entreprise et donc elle fait perdre rapidement beaucoup, beaucoup d'argent. Donc voilà, ce sont les trois gains qui sont principalement remontés par les entreprises et qui incitent celles-ci à regarder de près les nouvelles technologies que sont les big data. Alors, pour quelles raisons est-ce que l'on parle aujourd'hui plus de big data qu'il y a 3 ans, 4 ans ou 5 ans? La première qui nous vient à l'esprit, c'est un progrès technologique, et notamment la réduction des coûts du stockage. Alors, en effet, aujourd'hui, en 2015-2016, le prix au gigaoctet est inférieur à 1 dollar par gigaoctet. On a mis ici 1 dollar, ou 1 euro si on le souhaite. On peut même réussir, il n'est pas rare, hein, selon la volumétrie que l'on a, mais il n'est vraiment pas rare, hein, de descendre à 30 centimes du gigaoctet, voire même encore en dessous dans certains cas. Deux, on a aujourd'hui des sources d'informations qui sont beaucoup plus larges que l'on l'avait sur le passé. Comme je le disais tout à l'heure, les sources d'information historiquement étaient très orientées autour des ERP, des CRM, qui étaient renseignées par des êtres humains derrière leur machine et qui saisissaient des informations ou qui scannaient des codes-barres pour enrichir la base d'une entreprise.
Aujourd'hui, on est sur une variété de données, une profusion de données qui est beaucoup plus vaste que ça, puisqu'on n'est pas uniquement sur des choses qui sont à l'intérieur de l'entreprise, on est aussi sur des éléments qui proviennent des utilisateurs eux-mêmes, des objets qu'ils peuvent porter, des applications qu'ils ont installées. Et prenons comme exemple tout bêtement une entreprise, par exemple un supermarché qui mettrait en place un système de drive pour ses courses. Elle publie donc une application pour ses smartphones pour permettre à ses clients de passer commande depuis n'importe quel endroit. Et bien sûr, pour vous aider à choisir le meilleur magasin, au début de l'utilisation de l'application, elle vous demande d'autoriser la géolocalisation, l'utilisation de la géolocalisation sur votre smartphone pour pouvoir vous proposer le magasin le plus approprié. Une fois qu'on a autorisé cette géolocalisation, que l'on peut très bien refuser si on le souhaite, eh bien, l'entreprise va pouvoir aussi s'en servir pour identifier dans quelles conditions, dans quelles circonstances on fait nos achats, le corréler avec le moment de la journée, le moment de la semaine, et peut-être les événements qui peuvent se produire, comme par exemple une personne qui ferait ses courses de la semaine pendant le match de l'équipe de France de samedi soir. Bon, ça peut peut-être donner quelques indications sur l'intérêt de cette personne concernant le foot. On va peut-être éviter de lui envoyer des promotions qui concernent les maillots de foot pour l'équipe de France. C'est une petite anecdote peut-être un peu personnelle, mais ça montre bien que tous les éléments de l'écosystème dans lequel l'utilisateur va prendre ses décisions vont pouvoir être utilisés par ce cluster de Big Data pour ensuite profiler de manière plus précise le comportement de ses clients. Enfin, le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, on a une prise de conscience de toutes les entreprises. Elles savent que le nerf de la guerre pour demain, pour sa compétitivité, pour sa survie, passera par les données. Et qu'il est nécessaire de mettre en place des systèmes pour conserver ces données, analyser ces données, et qu'il faut prévoir des systèmes aussi pour pouvoir acquérir toutes ces informations, collecter toutes ces informations. Alors, vous me direz, pourquoi est-ce que conserver toutes les données devient important? Pour ça, je vous prendrai cette étude de cas autour d'une enseigne de la grande distribution qui, en début de son projet, pour son application de caisse équipée de douchettes, de scanners, a décidé d'inscrire sur son ticket de caisse pour des questions de traçabilité vis-à-vis du client, l'identifiant du scanner qui avait servi à enregistrer les produits passés en caisse. Cette information-là n'apporte à ce stade du projet aucune valeur à la société. Et donc, ils ne prennent pas le temps de remonter l'information dans les systèmes, de la traiter et de la ranger dans une base ou autre part. Un peu plus tard, la direction exprime le besoin de mettre en place de la maintenance proactive sur les scanners puisqu'ils ont détecté de nombreuses défaillances sur une grosse quantité de scanners dans les magasins. Le but étant de pouvoir réduire les taux d'erreur, fluidifier le passage en caisse. Je vous laisse imaginer tous les gains qu'il peut y avoir pour une entreprise de ce type. Et bien, le souci, c'est que s'ils ont la technologie pour le faire, ils n'ont pas l'historique de connaissances des identifiants de scanners et des échecs sur chacun de ces scanners qu'ils ont pu observer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas remonté l'information, ils n'ont pas conservé cette information. Donc du coup, la première étape, c'est 1. Modifier l'application pour remonter les informations dans la base. Donc, il y a déjà un coût et un délai de développement. Deuxièmement, il faut accumuler suffisamment d'informations pour connaître le comportement normal de ces scanners. Et enfin, on va pouvoir tirer les bénéfices de cette maintenance proactive. Coût de l'opération, eh bien, la direction se prend dans la vue entre 6 mois et 1 an de délai entre la période de développement, la période d'apprentissage. On estime, dans ce cas-là, on a estimé avec le client une période d'apprentissage de 6 mois à 1 an, plus le développement, était nécessaire pour réussir à l'observer. Il faut mettre ça en perspective, du coup, au giga que ça aurait représenté de conserver ce type de données. Dans 1 gigaoctet, donc dans 30 centimes d'euros pour un stockage de 3 ans, je vous laisse imaginer le nombre d'enregistrements
d'ID de scanner que vous pouvez conserver. C'est pour toutes ces raisons-là qu'il faut aujourd'hui prévoir des mécanismes pour conserver toutes les informations à votre disposition dans un cluster de big data. Et c'est là où on passe en fait de la data à la big data. Vous générez de la donnée, et bien cette donnée, vous allez décider de la conserver à des fins de big data, soit sur un cluster d'analyse où vous allez avoir des données plutôt chaudes, vous avez identifié ce que vous souhaitiez faire de votre donnée et donc vous souhaitez des performances et une sécurité garantie, vous souhaitez pouvoir délivrer des SLA à vos métiers sur cette plateforme. Ça, c'est pour toutes les données qui ont été déjà identifiées comme étant à forte valeur ajoutée. Et peut-être que sur d'autres types de données pour lesquelles bien, vous ne savez pas encore comment utiliser cette information, vous allez redescendre le SLA et les mettre sur des infrastructures à moins haute performance, sur lesquelles vous allez surtout garantir la conservation de l'information pour pouvoir, si un jour vous en aviez besoin, réinjecter une partie de ces informations, par exemple les identifiants de scanner, dans ces infrastructures à plus haute performance pour effectuer les analyses. Comment est-ce qu'on choisit les bonnes technologies, les bonnes infrastructures? Alors, pour décrire un peu cette partie-là, je vais repartir de ce que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez à gauche de cette image, quatre clusters applicatifs qui sont représentés. Application 3 tiers avec la couche applicative, la couche serveur, ou qu'on pourrait appeler base de données, puis le stockage derrière qui est positionné et qui est conservé, enfin toute la chaîne est maintenue de manière étanche par silo et avec, pour ainsi dire, aucune mutualisation des informations entre les différents silos. Vous avez un cinquième silo qui est monté puisque vous avez d'autres équipes, la business intelligence, qui doit récupérer des informations du marketing, des opérationnels, du service des ventes et de la finance pour mixer un petit peu tout ça et être capable de sortir un certain nombre de dashboards, de reports pour les différentes directions métiers pour leur permettre de prendre leurs décisions. Et donc pour faire ça, les entreprises ont toutes mis en place, beaucoup d'entreprises ont mis en place ce qu'on appelle des ETL, qui vont avoir pour but d'extraire les informations de l'environnement de production, de transformer ces informations pour lui donner un format approprié pour le cluster de BI, et au passage, vu que la volumétrie coûte très cher sur les environnements de BI, eh bien, on va nettoyer, c'est-à-dire qu'on ne va conserver que les informations dont on a véritablement besoin dans ce cluster de BI, et ensuite, on va charger ces informations dans le cluster. Donc 1, j'extrais, 2, je reformate, je nettoie, et 3, je réinjecte. On arrive sur de la donnée qui est structurée à l'entrée, structurée à la sortie, sur des rapports qui ne sont absolument pas de temps réel, c'est-à-dire qu'on va parler de rapports qui vont être mensuels, hebdomadaires, au mieux qui vont être journaliers. Et en fonction de ces rapports, on va estimer des tendances au mois, à la semaine ou à la journée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les métiers réclament du temps réel. Ils ont besoin de prendre leurs décisions en fonction des éléments qui sont totalement imprévus dans la journée ou dans l'heure qui se produit. Et donc, on va avoir besoin de mettre en place des mécanismes qui sont en réel. Ce que font souvent comme erreur les entreprises, c'est de se dire, pas de problème. Je vais mettre en place un cluster de business intelligence sur du Hadoop. Et je vais copier mes données de prod vers mon cluster Hadoop. Ok, mais le souci, c'est que là, on va continuer à utiliser des mécanismes de BI qui ne sont pas prévus pour être sur du temps réel, puisqu'on ne va pas pouvoir copier en temps réel ces informations vers le cluster de Big Data. On va toujours rester sur un extract des données qui va se faire de manière mensuelle, hebdomadaire ou journalière. Et donc, le métier n'aura pas ses reports, on n'aura pas d'alerte remontée en temps réel. Donc oui, on utilise de la nouvelle technologie, mais non, on ne répond pas aux attentes des métiers. Pour pouvoir répondre aux attentes des métiers, il va falloir monter ce qu'on appelle un data lake, dans lequel vous allez à la fois héberger les données de votre environnement qui est en production,
et à la fois héberger les données qui vont être générées par le cluster Hadoop, ou le cluster Splunk, ou le cluster SAS, peu importe. Peu importe l'application qui est au-dessus. Ce qui est important, c'est que toutes ces informations soient regroupées dans le même espace de données, et que ce ne soit que les interfaces pour accéder à la donnée qui évoluent. Dans ce data lake, on va donc retrouver aussi bien les données de l'ERP, CRM, du SCM, etc., etc. Mais ce que l'on va aussi devoir prévoir, c'est d'injecter les données de nouvelle génération, c'est-à-dire les publications provenant de l'entreprise, les nouveaux modes de communication de l'entreprise, les retours sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que si l'entreprise fait du marketing par exemple autour de Twitter et de Facebook, okay, ben on va devoir enregistrer toutes ces actions sur Twitter et sur Facebook dans notre data lake. Si jamais on a des retours clients effectués sur ces réseaux sociaux, on doit aussi l'enregistrer dans notre data lake pour pouvoir derrière mener des études autour de ces informations. Mais du coup, il faut s'interfacer avec ce nouveau type d'outil. Enfin, dernier point, c'est aussi les logs au niveau infrastructure, mais aussi au niveau applicatif, que l'on cherche de plus en plus à récupérer et à utiliser pour extraire de la valeur, non pas à des fins exclusivement de troubleshooting, même si ça peut vraiment beaucoup servir, mais aussi parfois pour mieux comprendre comment fonctionne notre client, comment il accède à notre site internet, comment il surfe sur notre site internet. Qu'est-ce qu'il va regarder en parallèle peut-être de notre site internet, hein, par quel biais il y arrive, etc., etc. Et donc toutes ces informations, on va devoir les injecter dans notre data lake. Et donc là, on voit que notre data lake va devoir proposer un grand nombre d'interfaces protocolaires à différentes applications, une grande variété d'interfaces protocolaires, et pas uniquement de faire de l'HDFS ou de faire du NFS. Ce que l'on juge, nous, aujourd'hui, nécessaire comme protocole pour pouvoir adresser à la fois les applications traditionnelles, ce qu'on appelle les plateformes de deuxième génération, les ERP, les CRM, les bases de données classiques, et à la fois adresser les plateformes de troisième génération, réseaux sociaux, YouTube, les applications sur les smartphones, eh bien, on va avoir tout ce type de protocole. Être capable de faire du FTP, beaucoup de transferts business aujourd'hui passent toujours par du FTP ou du SFTP, peu importe, hein, qu'il soit sécurisé ou non. Enfin, pour l'entreprise, ça a son importance, mais le concept, ça repose bien sur du FTP. Avoir la possibilité d'accéder, de lire et d'écrire ces informations sur des partages CIFS au travers du protocole SMB, sur du NFS, et pourquoi pas aussi embarquer du NDMP pour pouvoir facilement sauvegarder ce type de système de fichiers. La sauvegarde est quelque chose qui reste d'actualité, sur lesquelles les politiques vont forcément être amenées à changer, puisqu'un cluster de Big Data, s'il fait 10 Tera, on a des solutions pour le sauvegarder de manière traditionnelle. S'il fait 10 Peta, les méthodes traditionnelles de sauvegarde sur de la bande de classique, même sur du disque, peuvent être très compliquées si jamais on souhaite conserver un mécanisme de full par week-end. Donc ça, c'est pour tout ce qui est protocole historique. Pour tout ce qui est nouveau protocole, bien sûr, on va retrouver du HDFS pour permettre à des nœuds de compute d'accéder à l'espace de stockage, mais on va devoir aussi retrouver des interfaces objets, des interfaces Swift et des interfaces de type Amazon S3 qui vont permettre à des applications tierces d'injecter de l'information dans notre data lake. Et cette partie-là est particulièrement importante. Pourquoi? Parce que les applications de troisième génération ont été conçues et développées par des équipes de développement qui ne pensent que troisième génération de plateforme, qui n'ont absolument pas d'expérience sur la deuxième génération de plateforme. Donc demandez-leur d'accéder à un stockage CIFS ou NFS ou FTP, pour eux, ça va leur demander un effort colossal que de le faire. Et donc, un coût de développement qui va être considérable. Si jamais vous leur demandez à ces mêmes équipes qui développent des applications de troisième génération de stocker leurs données sur un data lake en Amazon S3, alors là, pas de souci, toutes les compétences, ils les ont, ils ont déjà développé beaucoup de choses sur le sujet, et donc vous allez réduire comme ça aussi vos coûts de développement.
Et donc au final, si on regarde la picture finale de votre système de Big Data, vous allez avoir toutes vos données qui vont être injectées par les utilisateurs, les applications internes de l'entreprise, les réseaux sociaux, les applications de vos smartphones et des tablettes. Elles vont toutes être injectées dans votre data lake, dans votre cluster Hadoop et votre data lake. Et ensuite, vous allez avoir votre BI traditionnel qui va aller piocher toutes ces informations, accéder à ces données au travers de connecteurs disponibles dans tout l'écosystème Hadoop pour accéder aux données indexées et formatées dans le cluster Hadoop. Et deux, vous allez avoir toutes les nouvelles générations d'analytics qui vont vous permettre d'aller explorer les données à disposition dans ce cluster de Big Data, de pouvoir mettre en place des algorithmes qui vont vous permettre de réagir plus vite en cas d'événement imprévu, et pouvoir aussi mener des expérimentations sur des nouvelles propositions de valeur pour votre entreprise. Alors, quels sont les cas d'usage les plus fréquemment rencontrés dans les entreprises? On a listé ici, à gauche, vous trouvez la liste des cas d'usage les plus fréquemment rencontrés, et de manière horizontale, vous retrouvez chacun des secteurs métiers, secteur de la finance, de la revente, enfin de la revente, le secteur de l'industrie, des télécommunications, du healthcare, des transports, etc. etc. Donc on en a listé quelques-uns et à chaque fois les plus pertinents par secteur ont été cochés. Pour notre part, on peut par exemple prendre un exemple sur un projet de santé. Ce projet en fait vise, pour faire simple, il vise à faire des diagnostics temps réel sur de la base de données qui sont générées par des capteurs branchés sur un patient. Ces informations sont ensuite corrélées avec l'historique de santé de ce patient et avec une base de connaissances que les hôpitaux ont accumulées au fil des ans. Et donc en fonction des données, du flot d'informations qui arrivent en temps réel dans le cluster de Big Data, eh bien vous avez des algorithmes qui sont développés pour les corréler, les comparer avec l'historique de connaissances des hôpitaux et l'historique de santé de votre patient. Et en fonction de ces trois éléments, historique de santé, historique de tous les patients des différents hôpitaux et les données en temps réel qui arrivent, eh bien, l'objectif, c'est de pouvoir améliorer le diagnostic en temps réel de ces patients. Voilà, je ne vais pas rentrer plus loin dans le détail de tous ces cas d'usage. Maintenant, si vous voulez creuser l'un des cas d'usage en particulier, je vous invite à nous contacter sur frinfo@mti.com en sachant qu'on a à disposition toutes les plateformes que l'on propose à nos clients dans notre showroom ici à Croissy-sur-Seine. Si vous venez de plus entre le mois de juin et le mois de juillet, en tout cas avant la fin de l'euro, vous aurez peut-être même la possibilité de voir l'équipe de Russie qui s'entraîne juste à côté de nos bureaux. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, sur Twitter. Pour vous tenir informé, le meilleur moyen, c'est de vous connecter à notre compte Twitter et à notre compte LinkedIn. Merci pour votre participation et votre écoute, et je vous souhaite une bonne journée.